Le prince Harry accusé de ne pas faire grand-chose par des employés de la société qu'il emploie. En 2021, Harry a été nommé directeur de l'impact de BetterUp, une entreprise spécialisée dans le coaching de vie. Mais l'entreprise a récemment licencié 16% de son personnel, et les employés mécontents s'interrogent désormais sur ce que fait le prince dans le cadre de ses fonctions, révèle le Mirror de ce 6 août 2023. Directeur d'impact. C'est à ce titre que le duc de Sussex a intégré BetterUp, une société basée à San Francisco, en mars 2021. Sous ce nom un brin mystérieux se cache une fonction très en vogue dans les start-ups américaines. L'objectif du poste est de réconcilier les enjeux d'impact et de business. Pour son premier job en terre américaine, l'époux de Meghan Markle aurait reçu un salaire à 7 chiffres. De quoi le satisfaire sans doute, mais de quoi fâcher certains de ses anciens collègues qui ont récemment été licenciés par l'entreprise et qui s'interrogent sur le travail réellement effectué par leurs très british collègues. Dans le cadre de son rôle de directeur de l'Impact, Harry a fait des apparitions lors de conférences où il a expliqué ce qui le pousse à se lever le matin, il a également évoqué les dangers de l'épuisement professionnel et partagé son amour de la méditation. Dire que ses interventions ont provoqué l'admiration de ses anciens collègues serait excessif. L'un d'entre eux a même déclaré « Chaque article mentionne son rôle chez BetterUp puis se poursuit par une critique les concernant, lui et Meghan Markle. Le jeu ne vaut pas la chandelle. » Scène prenant ensuite plus largement à BetterUp en tant que société, le membre du personnel a déclaré au Daily Beast. Nous sommes tous là à cause de la même histoire à la con qu'ils nous racontent sans cesse, nous sommes motivés par une mission, et cette mission va changer le monde. Le prince Harry, l'agent 000 de BetterUp, et ce collègue un brin désabusé n'est-ce pas le seul à donner de la voix. Le Mirror de ce 6 août révèle que l'on peut trouver plus accablant témoignage encore dans le Daily Mail. D'autres collègues auraient en effet affirmé que le personnel n'avait aucune idée de la contribution de Harry à l'entreprise. Lorsqu'il a été demandé à chacun de dire quelles étaient les responsabilités quotidiennes de Harry, il a été répondu : « D'après ce que je vois, je dirais zéro. » La page officielle d'employés du prince Harry sur le site internet de BetterUp met en avant les autres engagements de ce dernier, les actions caritatives menées par celui qui a consacré sa vie à faire avancer les causes qui le passionnent. Mais elle reste très floue sur les fonctions qu'il assumerait en tant que directeur de l'Impact. Le site web indique simplement : le prince Harry, duc de Sussex, est un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur du bien-être mental et un écologiste. Dans un communiqué officiel au moment de la nomination du papa des Archie et Lily Bay, BetterUp avait dévoilé des ambitions communes. Dans son rôle, le prince Harry guidera notre mission sociale, développera notre communauté mondiale et influencera la vision de l'expérience de nos membres, en apportant le pouvoir de la croissance professionnelle et personnelle à des personnes partout dans le monde. La semaine dernière, l'entreprise en difficulté a annoncé le licenciement de 16% de son personnel après des mois de turbulences internes. Un revers manifeste pour le guide de la mission sociale manifestement en panne de sens.